Oh, regarde le lapin et le cochon. Salut tout le monde. Bienvenue à notre exposition d'animaux domestiques. Et nous avons un spectacle pour vous. Yeah! As-tu un animal, un joyeux animal, un animal à poil ou deux? Ok. Un chien, un chat, un cochon. Un cochon. Un animal qui n'aime que toi. Yeah. J'ai un animal, un joyeux animal, un animal à poil. Oh, un croisé. Les animaux sont nos amis, ils nous aiment quoi qu'il arrive. Approchez, messieurs. Introduction. Le meilleur animal de compagnie de tout le monde, c'est Wookie. Yeah. Mon animal est si drôle et il a le nez qui coule. Il adore à jouer à va chercher. Merci mon pote. Wookie attrape la balle. Oui. Wookie, voilà un os. Oh. Wookie, tu es le meilleur. Oui. Heureux que nous t'ayons à la maison. Parfois, ils sont stupides quand ils demandent un câlin. Ils se blottissent, ils font tomber. C'est ainsi qu'ils m'ont pleuré amour. As-tu un animal, un joyeux animal, oui. Un animal à poil ou deux? Ou plusieurs. Un chiot, une souris, un lapin. Un animal qui n'aime que toi. Et moi aussi. J'ai un animal, un joyeux animal, un animal à poil, j'en ai un. Les animaux sont nos amis, ils nous aiment de bout en bout. Bonjour à tous, voici mon chaton, Calin. Dis bonjour Calin. Tu tiens de la ficelle, tu veux jouer à un jeu? Mon chat adore les câlins, c'est pour ça qu'elle a son nom. J'ai un petit lapin, il est tout tendre et si blanc. Je lui donne des pots de laitue, il prend de toutes petites bouchées. Oh, il est trop mignon ce lapin. 1, 2, 3, 4. As-tu un animal, un joyeux animal, un animal à poil ou deux? Un chien, un chat, un lapin, un animal qui n'aime que toi. J'ai un animal, un joyeux animal, un animal à poil, j'en ai un. Les animaux sont nos amis, ils nous aiment de bout en bout. Les animaux sont nos amis, ils nous aiment de bout en bout. Wow. Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe. Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors, ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie. Et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme, dit-elle poliment. Je t'échange ces haricots contre cette vache laitière. Ce sont des haricots magiques. Et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh, Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh, oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacques y a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Wouah! Regarde ça!
Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trombe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, fom-fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom-fom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappa avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit: l'orgueil du géant, 10 œufs d'or de cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fifa, fom, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom, fom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques est rapide. Oups, mauvaise histoire. Jacques est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige. La la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais, jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant, ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut vous casser les dents ou le nez. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr, j'ai besoin de 3 boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des 3 boucs gruffes. Ruff! Les 3 boucs gruffes sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée. Manger, manger jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Regarde ça! Oh, de l'herbe fraîche et verte! Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu! Les 3 boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit: c'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût, mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah. Et il sera le prochain. Très bien. Ah, oh, dégage, petit. Mais sur le pont, le troll apparut. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Juste moi, troll. Je m'en vais manger cette douce herbe. Dis le milieu des 3 boucs. Oh non, non, non. Dis le troll. Je vais
vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os. Vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère. C'est un gros tas de graisse. Oh, oh, ok. J'attends le grand frère. Alors le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non, ça sent pas bon. Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui tritrape sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort. Hey, ça ne rime même pas. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou. Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont. Et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères. Nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Soyons des singes bondissant d'arbre en arbre. Hé hé, on est tous des singes. Cinq petits singes sautant sur le lit. Ping. Un est tombé et s'est cogné la tête. Ah. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Sautant sur le lit, un est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Ce n'est pas le lit, on est dans les cimes des arbres. Et oui. Trois petits singes sautant sur le lit. Oui. Un est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Oh. Deux petits singes sautant sur le lit. L'un d'eux est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: maintenant, plus de singes qui sautent sur le lit. Je leur ai dit, je leur ai dit. C'est amusant. Un petit singe sautant sur le lit. Ping. Il est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: maintenant, mettez ces singes tous au lit. C'est ça! Tous au lit! Ah, tu dis, tu tout de suite! On y arrive! Bonne nuit! Regardez! Il y a une ambulance! Oh, waouh! Deux d'entre cool. elles! Je vais en conduire une! Maman, on peut jouer au jeu de l'ambulance et je vais faire semblant d'être malade. Bien, d'accord. Mais ne t'éloigne pas trop maintenant. D'accord. Les roues de l'ambulance tournent, 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 tournent. Les roues de l'ambulance tournent, tournent dans toute la ville. Oh oh, il me semble que quelqu'un a des ennuis. Nous arrivons pour vous sauver la vie. La sirène de l'ambulance fait wow, 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 wow. La sirène de l'ambulance fait wow, 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 dans toute la ville.
L'ambulance s'arrêtait pour aider un ami, aider un ami, aider un ami. L'ambulance s'arrêtait pour aider un ami, juste après le virage. Maintenant, respirez bien. Et c'est fini. Oh, oh. Sauve la journée, sauve la journée, sauve la journée. Le docteur de l'ambulance sauve la journée. Il est très content. Oh waouh, merci de m'avoir aidé. Eh bien, qui ne s'arrêterait pas pour aider un ami en difficulté? La sirène signifie que l'aide est en route, l'aide est en route, l'aide est en route. La sirène signifie que l'aide est en route. Et tout le monde crie hurrah. Hurrah. Oh oh, j'aperçois une blessure droit devant. Oh, c'est l'heure de l'ambulance. Je vois un ami qui s'est fait mal au genou, s'est fait mal au genou, s'est fait mal au genou. Ne monte plus dans cet arbre. Repose-toi, tu te sentiras mieux. Merci. C'est un plaisir. Nous voulons faire plaisir. On y va. Les roues de l'ambulance